Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est mardi 19 mai 2020 et c'est français avec madame Dula. Alors aujourd'hui il y a l'idée principale et détail pour le journal, il y a les verbes et ou er et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire demain. Alors on commence avec le journal, l'idée principale et détail. On y va. Lorsque tu lis un paragraphe, cherche l'idée principale et les détails. L'idée principale, tandis que ce dont parle un paragraphe. Les détails tandis plus sur l'idée principale. Alors, les détails sont des soutiens pour l'idée principale. Alors, si mon idée prin euh, principale c'est hmm, j'aime euh, j'aime les fraises. Alors, alors c'est vrai, j'aime les fraises. Alors, ça c'est mon idée principale. Maintenant, l'idée principale. Alors, les soutiens peuvent être que j'aime la couleur euh, des fraises, j'aime le rouge. Je peux dire que les fraises sont sucrées. Je peux aussi dire que les fraises sont mm, euh, bon pour la santé. Alors, j'ai trois, trois détails là. Bon pour la santé, sucrées et aussi euh, Rouge. Alors, ces, ces trois choses sont des détails quand l'idée principale c'est que moi j'aime les fraises. Ok. Alors maintenant, on va lire la lettre. Lis la lettre ci-dessous. L'idée principale est encerclée, entourée. Les détails sont soulignés. Ok, on y va. Cher monsieur Patel, j'ai beaucoup aimé la classe d'art plastique cette année. J'ai aimé faire de la poterie avec de l'argile. C'est amusant de peindre avec les doigts. Faire des fleurs en papier de soie a été mon activité préférée. Merci d'avoir été un si bon professeur. Cordialement, Suzanne Lester. Alors, ici, l'idée principale, c'est qu'elle a beaucoup aimé la classe d'art plastique. Alors, c'est ça qui est entouré. Les détails qui soutiennent l'idée principale sont ces trois phrases qui sont soulignées. Elle a aimé faire de la poterie avec de l'argile, c'est amusant de peindre avec les doigts et faire des, euh, faire des fleurs en papier de soie a été son activité préférée. Alors, ici, nous allons faire la même chose. Alors, on va entourer ou encercler l'idée principale et souligner trois détails. On y va. Chère Suzanne, tu es une élève avec beaucoup de talent. Ton pot en argile fera un beau cadeau. Ta peinture avec les doigts était très colorée. Tes fleurs en papier de soie étaient très jolies. Merci pour ta gentille lettre. Continue à faire de là. Cordialement, Monsieur Patel. Alors ici, qu'est-ce que c'est l'idée principale? Alors, il y a beaucoup de choses dans cette lettre. Il y a son pot en argile, il y a la peinture euh, avec les doigts et il y a les fleurs en papier de soie. Alors, il y a encore ces trois choses. Mais qu'est-ce que c'est l'idée que Monsieur Patel veut, veut dire à Suzanne? C'est qu'elle est une élève avec beaucoup de talent. Alors, c'est ça l'idée principale. Les choses qu'elle a fait, le pot en argile, la peinture et les fleurs en papier de soie sont des détails. Alors, pourquoi Parce que comme le pot en argile fera un beau cadeau et la peinture avec les doigts était très colorée et les fleurs en papier, papier de soie étaient très jolies, ce sont des exemples à... Comment elle est une élève avec beaucoup de talent Alors, voilà l'idée principale et détail. Alors, on va utiliser ces idées euh, pour euh, trouver l'idée principale et les détails dans les textes cette semaine. Alors, les verbes et. On sait déjà, les verbes réguliers en et se conjuguent avec e, E-S, E, O-N-S, E-Z -E et E-N-T. Alors, par, par exemple, le verbe jouer. Je joue, J-O-U-E. Tu joues, avec E-S. Il, elle, on joue, E. -S, ils, elles, ont, jouent, eux, nous jouons, O-N-S. Vous jouez, E-Z. Il, elle joue, E-N-T. E Parfois, on change la base verbale. Alors c'est pas tout le temps, mais parfois pour garder la prononciation, euh, il faut changer le ver la base verbale un peu. Alors pour acheter, pour il et elle au pluriel, on ajoute et aussi pour je, tu et il, elle, on ajoute un accent grave sur le e. Ils achètent. Pour manger, tout c'est le même sauf avec nous, parce que si on a m O-M-A-N-G-O-N-S, ça c'est mangon. Alors, il faut ajouter le E pour que ça se prononce mangeon. Pour jeter et appeler, il faut doubler le T et le L. Je jette, tu t'appelles. Alors, il faut noter ça, il y a euh, parfois des changements, des petits changements pour garder la prononciation. Alors, maintenant. On y va. Les verbes en e, en est. Conjugue, euh, conjugue les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. OK, on y va. Numéro 1. Je regarde la télévision. Alors, pour regarder avec je, il faut e à la fin. Alors, regarde. Nous, hmm, à un tournoi de basketball. Alors, participons. O-N-S. Il, hum, avec son chien. Pour il euh, pour jouer avec il, il faut E euh, à la fin. Il joue avec son chien. Tu, hum, lire les romans d'aventure. Tu aimes. a i m -E s Vous, hum, dans la piscine. Vous nagez EZ dans la piscine. Elles, hmm, des fruits au marché. Et alors, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut un petit changement. Il faut un accent. Elles achètent A, C, H, E, accent grave, T, E, N, T, des fruits au marché. Ils écoutent de la musique, E, accent aigu. C O -U T E N T Tu laves L A V E S la voiture de tes parents. Elle porte P O R T E N T des chapeaux de la même couleur. Vous montez M O N T E Z dans l'autobus. Je reste ici. Vous pouvez copier. Ok. Je télécharge un film sur l'ordinateur. T-E, accent. L-E, accent aigu. C-H-A-R-G-E. Elle prépare un bon repas pour le déjeuner. P-R-E, accent aigu. P-A-R-E Il attrape A-T-T-R-A-P-E la varicelle. Nous a fait attention! Mangeons M-A-N-G-E-O-N-S une tarte au pommes. Elle hmm, trop forte dans la classe Elle parle P-A-R-L-E trop fort dans la classe vous aidez A, I, -D -E Z, les autres, à nettoyer. Je décore ma chambre. D, -E, accent aigu, C, O, R, E. Il marche. M, A, R, C, H, E, N, T, sur le trottoir. Elle change. C, H, A, N, G, E, N, T, décolle. Il un nouveau jeu vidéo, il commence. C O M M E N C E. Alors, ça c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, demain, qu'est-ce qu'il y a Alors demain, ça sera mercredi 20 mai. En français, il y a Zoom avec moi à 9h et à 1h. Il est a les verbes en e, des biens vous allez me dire l'idée principale et les détails d'un paragraphe. Et il y a aussi résoudre un problème avec des parties égales, des moitiés, des tiers et des quarts. En anglais, il y a Zoom avec Madame Léon à midi. Il y a le journal et il y a aussi les devoirs, le, le travail indépendant à faire. Et c'est tout! Alors, à demain et bonne journée!